Guidée par l'élu qui saura la retirer de son rocher. Hors du commun et de grands pouvoirs, de la connaissance du passé comme de celle de l'avenir. Je me plaisais parfois à changer d'apparence. À tous, il présente l'épée et tous sont stupéfaits. Fidèle allié d'Arthur. Arrivé trop tard, hélas, pour sauver la jeune captive, Arthur doit accepter le défi d'un combat singulier. Pour mener campagne contre tous ces rebelles, le jeune roi Arthur s'appuyait sur des alliés solides et fiables, dont le roi Léodagan de Carmélite. La rencontre avec Lumière de la Forêt franchie. Ah, la forêt, mon endroit préféré. Quel est lieu, malheur à l'imprudent qui osait s'aventurer dans ces parages. Le cours des planètes et des éléments du ciel, dans lequel on peut suivre les étoiles et les autres astres. Autour d'Arthur, les chevaliers y prenaient place. Lancelot, héroïque à nouveau et fou d'amour, in extremis, sauvera Guenièvre des flammes. Arthur réalisa alors l'importance de sa reine, et Guenièvre fut grâce au déclenchement des hostilités. M'a fait du bien. Ces quelques souvenirs ne sont qu'une brève évocation de moult et moult récits, et qui peut nourrir les rêves de chacun pendant mille mars jusqu'à l'aube. Des chevaliers de la Table Ronde.